Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve. Professionnel financier, on va voir ce que je peux partager avec vous. Alors, on va les zoomer pour la situation professionnelle financière d'une personne. On va les zoomer, d'accord? Et on va aller voir un petit peu derrière ce qu'il y a. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour votre écoute, vos likes. Vos vues, merci pour votre participation, vos témoignages, merci pour tout, vos commentaires, tout. Et on y va, sans tarder. Allez, alors, vous faites bien preuve de discernement, c'est du général. Voilà, vous prenez le message uniquement si cela vibre, résonne en vous, et ne vous forcez surtout pas. Et si vous hésitez, parce que des fois on peut hésiter, hein, c'est humain, si on hésite, eh bien, on le met à la poubelle. On se force pas. Ok. Alors, c'est l'ange Béthany. Prenez soin de vous. Tout le monde va en bénéficier. Donc, prenez soin de votre santé, de votre bien-être. Comme ça, tout le monde va pouvoir en profiter. Vous allez vous sentir bien. Plus vous vous sentez bien en vous, dans votre santé, dans votre bien-être, plus, au niveau de votre professionnel et de vos finances, vous allez vous sentir bien. L'épanouissement sort de vous, doit jaillir de vous, et après ça jaillit dans tous les domaines de vie aussi. Donc accordez-vous un moment de plaisir. Voilà, je vois que vous avez énormément de travail, vous prenez durant cette semaine, accordez-vous un doux moment de plaisir pour vous, rien que pour vous. Ça peut être un massage, ça peut être un bain au sel marin, un soin des pieds, un soin de la peau, un soin du corps. Voilà, que vous vous faites ou que vous vous faites faire. En tout cas, chouchoutez-vous. Prenez bien soin de vous. Voilà, aujourd'hui. Et durant ces énergies de nouvelle lune aussi. L'ange Daniel, alors là, c'est l'ange du mariage, d'accord? Alors, pour moi ici, c'est pas un mariage, d'accord? Ici, c'est, vous allez, j'ai la notion d'un mariage, mais c'est fusionné, lié à un projet professionnel, en duo. Vous allez être assisté aujourd'hui, ça peut être lié à un mariage aussi, hein? Un mariage entre deux personnes, une demande de mariage, une demande de fiançailles, et après je vois une personne vouloir fusionner avec vous, lier un projet, ou alors faire naître un projet professionnel ensemble, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous est destiné, ça peut être une mission de vie, c'est bien destiné à vous, d'accord? Et ça peut me parler aussi d'un mariage, hein. En tout cas, vous êtes assisté, même si c'est un mariage, donc voilà, hein. Pas de stress, pas de panique. Mais j'ai un mariage aussi, vous allez marier vos idées, vous allez marier vos capacités, vous allez... ça va être un énorme projet très passionnant que vous allez créer de toute pièce, de toute forme, de vous, de votre jus, de votre essence, de votre âme, de votre esprit... de vos capacités, de tout en fait. Et c'est quelque chose... comment dire, hein? Comment dire, ça va être très original. C'est du jamais vu, c'est du jamais connu, c'est... c'est très très original, c'est du jamais vu. Bon, bah c'est ce que j'ai. Si ça vous parle, hein, je partage. Allez, on y va. Alors, professionnel financier. Alors, ici, je peux avoir un restaurant à la campagne pour moi. Alors, on parle d'une personne qui désire ne plus avoir de pertes. Alors, on ne veut plus avoir de pertes. De pertes, donc tout type de pertes, quel qu'il soit, de gâchis aussi. Je vois que pour moi, certains mois, dans votre restaurant, à la campagne, certains mois, vous travaillez plus que d'autres mois.
Et certains mois, il y a plus de gâchis que d'autres mois, en fait, hein. Alors, je vois 3 mois. Pour moi, je vois 3 mois très compliqués. Avec des semaines où votre chiffre d'affaires pouvait être quasi nul, quasi zéro. Je vois un énorme rééquilibrage de votre clientèle. Tout va bouger, tout va se transformer au niveau de votre clientèle pour moi. Donc tout va se transformer au niveau de votre clientèle pour vous apporter des mois. Pour vous apporter des mois. Des mois plus extrêmement plus sécures. Avec beaucoup plus de sécurité, avec beaucoup plus de sécurité. Plus de et aussi de fécondité aussi. Je vois que ça va être dès le mois de mai que tout cela va se mettre en place. Donc encore un petit peu de patience, encore un petit peu de courage. On parle aussi d'une arrivée, je vois l'arrivée soudaine d'une somme. D'une somme inespérée. Qui arrive vers vous. Qui va vous venir aussi en aide, en soutien, en aide, en soutien. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous partager. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse, un merveilleux mardi. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À très très vite!